Je n'y crois toujours pas, Camera touche en haut de son duo sur scène avec Johnny Hallyday. Aux côtés de Danny Bonne, Camera était l'invité de Nikos Aliagas ce samedi 15 avril dans l'émission 50 minutes Inside. À cette occasion, l'acteur de Bienvenue chez les Ch'tis a fait des confidences touchantes sur Johnny Hallyday. Dans le cadre de la promotion de leur nouveau long métrage intitulé La vie pour de vrai, qui sortira dans les salles obscures le mercredi 19 avril, Danny Bonne et Camera étaient conviés par Nikos Aliagas. Sur les ondes de TF1, les deux amis ont partagé de nouvelles anecdotes et confidences auprès du présentateur phare de la première chaîne de télévision en Europe. Si dans un premier temps, le mari de Julia Vignali s'est confié au sujet de sa rencontre improbable avec Brad Pitt, il en a profité pour glisser quelques révélations inédites sur sa relation avec l'idole des jeunes. C'est précisément pendant le mois de décembre 2014 que l'acolyte de Danny Bonne a rencontré Johnny Hallyday. Lors d'une émission spéciale pour célébrer les 71 ans du rocker français, il a pu interpréter le titre mythique « Ma gueule » aux côtés de l'ex-compagnon de Nathalie Baye. Dès lors, cette rencontre mémorable a initié une belle amitié entre l'acteur et l'une des personnalités préférées des Français. En effet, l'acteur de Baron Noir est devenu un proche du clan Hallyday. C'est ce samedi 15 avril, dans l'émission 50 minutes Inside, que Camera est revenu sur cette rencontre et cette amitié exceptionnelle. Lorsque Nikos Aliagas a dévoilé un extrait vidéo de cette performance scénique mémorable, l'acteur de Faubourg 36 était très ému et a déclaré ceci : « Ça me fout les frissons. C'est complètement fou. Je n'y crois toujours pas en fait. » Avant de poursuivre avec ceci, on n'avait pas répété parce que c'était une surprise pour lui. J'ai été comme un enfant. C'est quelqu'un qui était extrêmement séduisant et charmant, a conclu l'acteur du Petit Nicolas. Des souvenirs mémorables et gravés à jamais dans la mémoire de Camera, qui avait également partagé de bons moments en Californie avec le père de Laura Smet.